Salut à tous, c'est Narev, on se retrouve une fois de plus pour la découverte de War Mongrels. On va aujourd'hui tenter le chapitre 2. Mais avant toute chose, j'aimerais remercier déjà Destructive Creations pour avoir généreusement envoyé une clé. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par le jeu, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Mais avant de se lancer dans le chapitre 2, vous le savez, sans obligation aucune, vous pouvez commenter, liker, vous abonner à la chaîne, ainsi qu'activer la petite cloche de notification qui vous préviendra dès que du nouveau contenu sera disponible. D'ailleurs, j'aimerais avoir vos retours sur ce War Mongrels. Est-ce que vous aimeriez voir un let's play ou pas sur la chaîne? J'aimerais beaucoup le savoir, alors n'hésitez pas à me faire part de votre avis. Ceci étant dit, on va lancer le chapitre 2, le point de rupture, et on va voir de quoi il retourne. It was only after the adrenaline rush when I realized what we had got ourselves into. As deserters, we had no future and no home to return to. Not at least until the war ended. If at all, we were dead men walking. I lost my purpose. The dream of freeing the world from Bolshevik ideals was a lie. When I joined the Wehrmacht, I imagined myself becoming a hero. I was to be nothing but a murderer of the innocent. They all didn't care much where we were going. For now, he just wanted to get as far away from the Eastern Front as possible. So we traveled west, for hours on end. But for me, survival was not enough. I knew I needed to find a reason to keep going. These damn bikes. They consume gas like a fucking panther. We're lucky there's a village close. It didn't happen in the middle of nowhere. Okay, we have some SS stationed here. It's Einsatzgruppen? We're not even trying to talk to them. See that barn over there? I bet they keep supplies inside. Yeah, looks like it. I'll try to break in. D'accord. Donc on a beaucoup de choses à faire. Let's move. You still got that booze? Looks like they've started a party already. Yep, I refill it anytime I can. Out of Pervitin? Yeah. For 2 days. Well, I stopped taking that shit back at Leningrad. If they didn't resupply it right after, I would die out of exhaustion anyway. Alors, ça serait bien. Par quoi on pourrait commencer? Ouais, cela là, ce serait pas mal de se les faire. Lui, le problème, c'est qu'il faudrait qu'on arrive par derrière et qu'on en attire un de ceux-là. Donc celui qui descend, là, il faudrait qu'on se le fasse. Et puis après, qu'on en attire un. Parce que toi, tu vois jusqu'où? Ok, tu vois jusque-là. Donc il faudrait qu'on l'attire par ici. Ok. Alors, nos deux collègues, là, on va les faire se mettre à côté. They should have something inside the barn. The fuck they shooting at? On va pouvoir se mettre là. Ah, les héros peuvent se cacher dans un buisson lorsqu'ils la rampent. D'accord. Donc du coup là ils sont pas visibles. Là tu es visible. Et là tu ne l'es pas, d'accord. Ok, donc on pourrait faire ça. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est que toi, tu vas venir ici. Et tu vas être caché. Voilà. Et toi, Manfred, quand l'autre il va passer,
Tu vas siffler. Voilà, quand il sera à peu près là, il va siffler. Il va venir par ici. Et toi, tu le tueras par derrière. Et ça, on fera un d'éliminer normalement. Ensuite, pour éliminer cela, il faudrait que j'en attire un. En l'occurrence, ouais, celui qui regarde par ici. L'attirer par là, là, avec une bouteille, par exemple. On va essayer de faire ça. Hein ? Ça n'a pas marché ? Pourquoi ça n'a pas marché ? Bon, bon, on va attendre qu'il repasse. Alors, je ne sais pas si je voulais... déjà dit, mais une des choses que j'apprécie énormément dans ce jeu, bon, hormis le fait que graphiquement, hein, il est beau, hein, très très sympa, c'est le point de vue qu'ont pris les développeurs. On n'a pas une énième fois des super héros, des alliés qui viennent sauver le monde. On a le point de vue de Badalmont. Qui se battaient pour la Wehrmacht, qui se rendent compte des horreurs de la guerre, des ignominies que leur faisait commettre un régime absolument menteur. Et ça, j'avoue, c'est cool. Good night. Allez. Tu te caches là. Ok. Ok, c'est pas la bonne solution. J'ai besoin que ça soit d'être beaucoup plus caché que ça, c'est dingue. Toi, tu vois ça jusque là, donc tu vas venir là. On va essayer autre chose. Oh, that shooting makes me jumpy. Si on avait fait ça, non? Là, tu vois pas. C'est fou ça. Manfred. What? I'm hungry. Huh? I'm not your mama. My mama died 10 years ago. Are you my new mama? Hey, Vault, shut up. I wonder what happened to the villagers. There's no one here besides our comrades. Ouais, c'est un petit peu compliqué là. I bet they're just getting shot out there. I don't think so. Sounds like target practice. Manfred, tu peux venir récupérer ça? I think they saw me. Good night. Ah, ça le fait pas. Ah, il y a trop de monde. Alors, comment on va réussir ce tour de force? Parce que du coup j'ai grillé ma cartouche là, hein. Peut-être faire ça, non. Non, sérieusement. Donc là, ils vont encore mourir. Ah, là, ça recharge. Petit problème de sauvegarde, on dirait. Allez, on va passer. Et là, pareil. Ok. C'est pas grave. Hein. On montre les qualités et les défauts du soft. Honnêtement, si c'est ça les seuls défauts, ça me dérange pas. Well, I stopped taking that ship back at Leningrad.
If they didn't resupply it right after, I would die out of exhaustion anyway. On pourrait peut-être y aller sans tuer personne en fait. On va essayer cette technique là. Ok, toi tu vas jusqu'où? Toi tu vas jusque là, mais là on est tranquille. Si on avance là. Ah ouais, là on nous voit. Ok, donc ça le fait pas. On peut venir ici comme ça. Un groupe d'ennemis fonctionne comme un seul organisme. Ils se déplacent dans une formation donnée et réagissent aux leurs ensemble. S'il y a un officier dans le groupe, les soldats ont les caractéristiques de l'officier. D'accord. Donc il est là l'officier. The fuck they shooting at? Donc si je fais un truc dans genre ça là. Non. Ça marche de rien du tout ça. C'est fou ça. Donc c'est encore un coup dans l'eau. Ouais, il y a juste toi qui va venir prendre la bouteille. Allez, tu vas bien te faire buter là. Non, ça c'était pas la bonne solution. Voilà, si tu vas venir la récupérer, ça va pas le faire là. Allez, on va essayer de tuer tout le monde. Non, ça marche pas bien, ça. Hein. Hunting. Ah, là, comme ça marche mieux déjà. Ok. Ah non. Ah, c'est dommage. Toi, t'es mort? Non, mais t'es pas loin. T'es vraiment pas loin. Et toi, t'as plus de munitions. En revanche, on va peut-être trouver des choses intéressantes. On a réussi à s'en sortir, hein, pour le coup. Est-ce que je vois des choses intéressantes à récupérer? Non. Si tu vas venir évidemment. Ok. On y allait un peu à la bourrin. Hein. Oui. Faut le reconnaître. Voilà. Ils avaient pas d'armes. Personne n'avait d'armes. Voilà, plutôt.
64 sur 96. On est à peu près bon là. Ils avaient tous le même type de munitions. Ça, c'est un peu nul. Hein. Là. That shooting makes me jumpy. Je vais venir prendre ça. Non, non, ça. Ok. Ici aussi. Il faudra qu'on trouve de quoi soigner notre ami. Hein. Ok. Là, on est à peu près bien. Qu'est-ce qu'il y a? Là, il y a des choses. Changing position. Yeah. Tu vas pouvoir venir par là. Il y a des choses à récupérer. Oula. Ouais, ouais, ouais. Parce que là, il y a quand même du monde. Ok, là, il n'y a personne qui me voit. Ah, c'est pas le bon. C'est pas grave. Est-ce qu'ici, on pourrait tuer les trois? Ça en ferait beaucoup plus de trois qui se pointeraient, je pense. Malheureusement. Donc, toi, tu vas venir là. Toi, en rampant, tu vas venir par ici. Donc on ouvre la grange. La grange, elle est où? Elle est là-bas. D'accord. J'aimerais que tu viennes ici récupérer ça. Ok, ça c'est récupéré. Tu vas venir là. Toi, en fait, tu vas y aller comme un gros bourrin, en fait. Et finalement, t'arrives plutôt bien à te débrouiller. Quoique... What? Accident malencontreux. Ah, contrôle. Et cliquez votre souris sur le véhicule pour desserrer le frein à main. Hey, Vault, shut up. Est-ce que je vois des choses qui seraient intéressantes de faire? Je sais pas comment me le faire, hein, ces trois-là. Là. Toi, tu vas venir là. C'est quoi ta vue? Ça va, t'as pas une vue. Qui va me poser problème. Allez, toi tu vas mourir, s'il te plaît. Voilà. Port arms. Ah non, ça s'est raté. C'est dommage. Allez, vas-y, plus rapidement. Ok.
Et on va venir te cacher ici. Très bien, ça. Ça en fait un de moins. Ok. Voilà une bonne chose de faite. Il en reste un par ici. Par là, là. Allez, on va me le tuer. Raté. Ce qu'on va essayer de faire, j'ai bien envie d'y aller, mais vraiment comme un bourrin. Du coup, Manfred, tu vas venir par là. On va essayer cette méthode là. Ok, ça s'est raté. Il y a pris un petit peu déjà. Non, ça, ça rate. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ici, on a quelque chose. Non. Le but c'est d'aller là hein, quand même. Je vais quand même me pointer par là. On va voir si on peut essayer de faire quelque chose sur la voiture là. Voir ce que ça donne. Allons-y. Hop. Qu'est-ce que je peux faire dessus? Non, je peux rien y faire là. Je ne peux rien y faire. Bon, voilà qui est un petit peu dommage. Non, là, t'as rien vu, mon gars. Raté. Décidément, on est dans une position pas forcément évidente. Quoique, on est où là? Non, non, non. Fais-moi pas ça. Revenir par ici. Il y a tellement de choses par là, là. Et pour l'instant, l'objectif, c'est bien la grange.
contre, Manfred, tu peux faire quelque chose ça, sur la voiture, non? Ce que j'ai envie d'essayer de faire. Non, j'ai pas de ligne de vue. Là, oui. Non. Hunting. Ah oui, empty mag. Et puis il y en a d'autres qui sont arrivés par en dessous, donc c'était pas forcément ce qu'il y avait de plus judicieux à faire. Non, là on va pas y arriver avant qu'il se retourne, malheureusement. Quoique. Ouais, si. Ah non, ça c'est encore raté. Ah, décidément le jeu est dur. Hein. On va quand même réessayer. L'autre au fond, c'est pas grave. On le laissera venir. Combat rapproché, ok. C'est encore raté. On m'a découvert bien avant. C'était trop tôt. Comment je pourrais faire ça? Ah, je pourrais peut-être la tirer par ici. Ouais, ça passe après ici, hein. Tuer celui-là tranquillement. Allez, on va faire ça. Space. Là, t'as rien vu, mon gars. Non, c'est pas vrai ça. Ah, comment est-ce que je peux faire ça? C'est un petit peu tristoun quand même. One down. Et on va repartir. L'autre, il peut bien venir, c'est pas un souci. Pour essayer, souvent, la simplicité, ça marche bien. Voilà. On va avancer par ici. Est-ce que je peux passer par là? Non. Non, il me fait un gros détour. C'est pas du tout ce que je voulais. Et oui, là, je vais pas pouvoir passer.
t'es juste là. Donc si toi tu viens là et que tu balances un sifflement, plutôt juste tu te mets là et tu balances ta toquante. Ok, tu vas voir la toquante. Ok. Contrôle. Ok, là on commence à bien se débrouiller. Ça fait plaisir. Bah vas-y, récupère la tatoquante. Ok, là on est bien. Donc on va re-sauvegarder. Toi, tu es un problème. Mais je peux peut-être passer par derrière. Pour t'éliminer tout doucement. Bah non, parce qu'il y aura toi qui verras les choses. Mais je peux peut-être te faire venir. Donc on va faire ça. Oui, là ça le fait pas des masses. Comment est-ce que je peux faire ça? Si je fais ça, ça va pas le faire non plus. Là c'est un petit peu compliqué. Ouais, si je viens là, ça le fait pas non plus. Non, parce qu'il peut pas passer. Voilà, là on est coincé. Le seul passage, il est là. Est-ce que je peux le prendre, le passage? Je ne crois pas. Compliqué là, parce que si je pouvais éliminer lui, ça serait pas un problème. Ces deux là je peux les éliminer en même temps. On va essayer de te faire venir, toi. Alors, je suis pas sûr que ça soit une franche réussite, mais on va quand même essayer. Allons-y. Se faufile. Et remarque, ces deux, je pourrais me les faire, hein, en coup de bagarre. Parce que toi, tu vois où? Ouais, toi, tu vois pas. Ok. Donc toi, tu
je peux venir là. Toi, tu vas revenir par là. Tu vas venir là. Le marqueur de vision vous permet de voir si un point marqué est observé par quelqu'un. Survoler l'endroit où vous souhaitez placer avec la souris. Et jusqu'à ce que l'icône apparaisse. Ouais, bon alors ça on s'en fout un peu. Moi ce que j'aimerais bien, c'est un petit mode planification. Toi tu vas tuer celui-là. Et toi tu vas tuer celui-là. Et on entre. One down. They're shooting at me. I'm gonna kill him. Hunting. Ah. Toi, je t'avais pas vu. D'accord. Donc faut que j'attende que toi tu sois parti. Voilà, parce que mon problème c'est toi. Donc on va attendre que tu partes. Est-ce que sinon ça fonctionnait hein? Et ça fonctionnait même plutôt bien. Donc on sait qu'il va tenter de repartir. Enfin, il va repartir, évidemment. Voilà, c'est très bien. Non. Te rapproche pas, voilà, faut que tu partes. Ok, là c'est bon. Alors toi, du coup, tu vas tuer lui. Toi, tu vas aller tuer lui. Et on entre. Schluss. Ok. Tu vas venir là. Tu te caches. Et on sauvegarde. Voilà. Ça en fait deux d'éliminés. Très très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Après, on va avoir... y a lui, il va falloir qu'on s'en occupe. Est-ce qu'on pourrait avoir les trois si on y allait en mode Brutas? Potentiellement, mais c'est pas garanti. Hein. C'est un problème. Peut-être que si on fait un truc dans ce genre là. Ok. D'accord, c'était pas ça que j'aurais dû faire. C'est l'autre en fait qui aurait dû s'en occuper. Tu vas venir là. L'autre il va se pointer, il va voir les corps. Tout seul mon gars. Allez, rapproche-toi un petit peu. Et hop. Là c'est fait.
Ok. Ce qu'on va faire, on va sauvegarder. Toi, tu vas venir par là. On va essayer en sifflant, hein. Ok, joli. Toi, tu vas jusqu'où? On va essayer de se rapprocher. Ah, on y arrive enfin. Ah, c'est bien, franchement. Quand on arrive à faire des choses, c'est gratifiant. C'est très très gratifiant. On va s'approcher tout doucement. Et tu vas aller me le tuer. Parfait, on a sécurisé la zone. On va pouvoir ouvrir la grange. Hey Vault, keep lookout. It'll just take a minute. All right. Shit, this chain looks tough. Who's there? Who's there? Oh, un nouveau personnage. Oh, yeah. Ça, ça pourrait être très très utile. They got me tied up, torturing me with the sight of delicious army rations. Better not lie to me, buddy. Damn, whoever you are. Ah, fuck. What's all that shooting? Executions. It's been going on for 3 years. They send transports by train. Wait, what? Les horreurs de la guerre. Yeah, since 41, the Germans have been bringing people to these woods to kill them. For most of the time, my fucking kinsmen were the ones doing it. But 3 years? How often does the train come out? How many people on these trains? Tens of thousands. No one keeps track of this. Maybe the SS does. Wait, aren't you a German? Yeah, but I'm not. Yeah, don't bother explaining, I get it. If you want to get in here, there's an officer near the trucks. He has the key to the padlock. Let me out. I have a plan to sabotage their operation. Wait, you got a plan? Okay, what's your name anyway? Lucas. Lucas. All right. I'll help you out. What is taking so damn long? Alors du coup, récupérer des fournitures, ouvrir la grange et récupérer la clé de la grange. Et sécuriser la zone, ça c'est déjà fait. Ouvrir la grange, alors oui. Par contre, on l'a la clé? Je pense que non. Où est-ce qu'elle se trouve la clé? La clé se trouverait ici. Sur cet officier. D'accord. Donc ça sera notre prochain objectif. J'aurais quand même espéré avoir de quoi me soigner un petit peu. Ce qui n'était absolument pas le cas. C'est un petit peu compliqué là. Parce qu'avec un Ewald qui est quasi mort. Alors à moins qu'on trouve quelque chose... Plans changed. We're freeing Lucas to help him stop this massacre. What? We were supposed to find food and gas and get the fuck out of here. SS is slaughtering people. Mais les plans ont changé, Esvalda. There's a guy in the bar who told me he had some plan. Some plan? Look, do what you want. I have to do this. I don't expect you to understand, Ewald. Ça passe ici, non. Là, ça s'ouvre. Changer de vêtements. Manfred peut se déguiser en uniforme de fantassin afin que les simples soldats ne prêtent pas attention à lui. Cependant, il faut se méfier des chiens et des officiers qui ne sont pas trompés aussi facilement. Une fois
L'uniforme, il ne peut pas être enlevé. Ah oui, donc faut bien réfléchir. Bon. Eh bien, on essaiera de récupérer la clé dans le prochain épisode, celui-ci étant arrivé à son terme. N'hésitez vraiment pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez du jeu. Et surtout, si vous voulez en voir un petit peu plus. Je vous remercie énormément de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, comme d'habitude, le clap, commenter, liker, vous abonner et partager. Surtout, n'oubliez pas de partager, car vous le savez, le partage, c'est la vie. Et une fois encore, grand merci à vous tous, car c'est grâce à vous si la chaîne peut grandir de jour en jour. Allez, ciao, bye bye et bon week-end.